Bonjour, bonjour. Pop, 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 pop. On est mardi, c'est le projet Amiens dans Minecraft. Et salut Ubis, salut Dr Pi. Bon, pour l'instant, la cause ça va, mais les nuages sont en train de grossir et de tourner tout autour de chez moi. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, on va en profiter tant que ça marche. Alors, on va déjà regarder le résultat de... De ce vote. Je me connecte là. Je peux y aller via le Discord. Je dois l'avoir dans Info News. Le vote. Ah non, j'ai pas choisi. Ah bah si, le vote il est là. Donc c'est la place René Goblet qui gagne. 44% à 41 votes. 44% pour la place René Goblet, 29% pour la rue Noyon, 27% pour la pointe rue Victor Hugo, rue Amiral Courbet. Bon, les trois trucs étaient dans le même coin. Il s'agit de faire liaison. Bon là je suis en train de bosser sur... je suis en train de finir mon duel. J'ai complètement modifié le truc de contrôle. Pour plus avoir les trucs qu'on comprend rien. Vous allez me dire, ah bah j'y comprends pas plus. Non mais là c'est bien soit de l'arithmétique, soit de la logique. C'est A plus B, A moins B, A ou B, A et B, A ou exclusif B, non A ou B. Donc là, bon bah là il marchote. Je suis en A moins B. Donc si je mets 4. Alors attends. Ce qu'il y a, c'est que j'ai inversé le truc. Donc l'entrée A est en bas et l'entrée B est en haut. Donc si je mets 4 moins 1, ça doit faire 3. 3. 11, ça fait 3. Donc ça marche. Si par contre on fait... si on demande l'addition... Donc on veut 4... plus 1, ça fait 5. Voilà, 101. 101, ça fait bien 5. Voilà. Alors je fais tout par commande bloc parce que bon, j'avais pas la place. Donc j'ai mis des lignées de commande bloc. Le problème c'est que les blocs qui sont censés mettre les blocs de redstone là en bas marchent pas. Je sais pas pourquoi. Si je le pose à la main, tac, ça marche. Donc normalement c'est lui qui est censé poser le redstone block. Ah, X. Ah si, X c'est bon, X plus 2. Là je suis à 885. Là je serais bien à 887. Donc je suis bien à plus 2. Non, c'est bon, non, ça doit marcher normalement. Mais bon, quand c'est lui qui le positionne, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre. Bon, revenons. Revenons sur nos moutons. Pardon les calculs. Salut Hotbug. Il part dans les calculs et j'ai mal au crâne. Donc, on avait le choix entre la pointe rue Victor Hugo, rue de la Milcaral Courbet, la place René Goblet. Et c'est vrai que c'est droit. Où on a moyen. Et sur toute la longueur, on a deux de décalage. Moi je dis, on a moyen de faire un truc droit. Dans l'alignement de celui-là, en fait. On va s'adapter. On n'est pas des bêtes. Ouais, on va faire un truc complètement droit. Puisque c'est la place René Goblet qui a gagné. Et le troisième choix, c'était la rue de Noyon. C'est ici. Donc la rue de Noyon, c'est celle qui donne à la gare. Il y avait déjà un bout de bâtiment, c'était celui de la tour Perret qui était fait. Là, il y avait d'autres bâtiments. Et la rue de Noyon donne donc dans la place René Goblet. Vous prendrez bien un petit gobelet. Elle est nulle celle-là, elle est nulle.
Là, on fera un truc régulier, du coup. Et on va essayer de s'aligner. Alors, du coup, peut-être pas... On va essayer de s'aligner sur celui-là, par exemple. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais là-bas, tu perds deux blocs. Ouais, c'est pas grave. Sachant que, de toute façon, ils avaient pas l'air d'être alignés. Et puis, donc, le troisième truc, c'était ça. Donc, petite place. Petite place dans Amiens. Ah, j'ai pas lancé Google. J'ai pas lancé Google. Google, ton univers impitoyable. Amiens. Amène-moi Amiens maintenant. C'est automatique. Il n'y a plus à se fatiguer. Bon, par contre, ce truc qui nous intéresse, c'est ça. Oh, ça mignon. Oh, il y a même une piscine. Ah non, c'est pas une piscine, c'est un truc pour gosses. Bon, il y a quelques arbres. Alors ça, c'est vieux. Quoique non, ils l'ont rechangé, non? Mon ancient statue ici, hein. Il y a un arbre en plein milieu, là. Non. Ils ont mis des arbres en plein milieu. C'est vrai que maintenant, c'est piéton, hein. Dans le temps, c'était une rue passante. Très passante, même. Maintenant, il n'y a plus qu'un bout de voiture qui passe ici. Et un bout de voiture qui passe ici. Ici, dans la rue Allard. Ici, la rue, je sais pas son nom. Et ici, c'est la rue Victor Hugo, qui passe derrière le palais de justice. Bon, les bâtiments, il y a encore quelques boutiques, hein. C'est tout des boutiques, c'est un peu le même style que la rue des Trois Cailloux. Mais en plus petit, puisque la rue des Trois Cailloux, elle était assez longue. De l'autre côté, je crois qu'il y a moins de boutiques. Je connais pas trop, en fait. Moi, quand je passais là, j'allais jamais trop par là. En fait, je crois que cette rue-là... Enfin, ce trottoir-là, je voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande si j'y ai déjà marché. Le gars. Ouais, c'est dans le centre-ville d'Amiens. Hein. Ouais, mais... En fait, là, je suis en train de me poser la question et je pense que... Non, non. À chaque fois que j'ai dû passer, soit je suis passé dans le parc, ou soit je suis passé dans la rue... La rue ici. Qui a pas de nom, du coup. Vu que c'est la place. Ok, dac. C'est la continuité du manège. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a le manège qui est là. Alors, du coup, ce bloc-là... Ah, ça faisait partie de la pointe. Mais on va peut-être faire au moins ces façades-là, quoi. On va juste faire les façades. Mais on fera pas le bloc. Ah bah non, hein. Ah bah non, hein. Eh, oh. Et parce qu'on avait fait le parc de l'hôtel de Bernie. Donc ça, on l'avait fait. Ah, c'est de la petite maison. C'est de la petite maison. C'est de la petite maison. Par contre, là, je suis pas sûr que ça soit comme ça, ce truc-là. Un petit vue de rue. Un petit vue de rue. Hop, Amiens. Je pense qu'il y a le chien qui réclame. Donc voilà le manège. Non, il y a un problème. C'est autre chose, ça. Non, à cette époque-là, il n'y avait pas le manège, parce que le manège, il est ici. Là, c'est la rue des Trois Cailloux, la rue Allard, la statue du maréchal machin chose. Maréchal... non, pas celui-là, l'autre. Celui qui a libéré la France. Pas celui qui l'a fait collaborationner avec les... Hein. Bah, René Goblet. Il y a même un arrêt de bus. Et on peut y aller là? Ah ouais, on peut y aller. Ok.
Le gars, la Google machin, elle a le droit de passer. Et ça, c'est verboten, hein. Il n'y a que les postiers, les livreurs et tout ça qui peuvent passer normalement, hein. Bon, que les boutiques habituelles, quoi, hein. Hop, hop. Ouais, donc ils ont planté des arbres dans ce machin-là. Ok, d'accord. Bon, ben, hop, hop, hop. Alors la place, il y a des petites, il y a des petits escaliers ici pour y accéder. Je suis en train de regarder la topologie. Bonjour, Monsieur Neo. Oui, la cathédrale n'est pas complètement finie. Ouais, tu as raison. Il manque la chapelle derrière et il manque la chapelle devant. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle le derrière et le devant. La chapelle des Maccabées, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. On l'a pas fait parce qu'en fait, la cathédrale, c'est une copie d'une que j'avais fait pour le 13e siècle dans maths. Donc, on n'a pas celle-là et on n'a pas la sacristie, la salle du trésor, ce petit bout-là. On l'a pas fait. On le fera un de ces quatre. Faudrait le mettre au vote. Fin de la cathédrale. Il y a ces deux petits bouts-là qui traînent un peu. On les a pas fait. Ouais, tu as raison. Tu es très observateur, c'est bien. Bon, le camion de la poste est gentil. Hein, t'es gentil le camion de la poste, mais tu nous empêches de voir. Bon, là, il y a les escaliers. Tout au bout là-bas. Bon, le camion de la poste, il s'est barré, il nous a largué. Encore des escaliers. Par contre, ici, on dirait que c'est de la pente douce. Donc, le parc est surélevé. Est surélevé par rapport à cette place-là. On le note, hein. On le note. Par contre, par ici, donc, c'est pente douce. Et quand on est. Je fais le tour, là. Hein. Je fais le tour de Spark. Ah, et là, c'est piéton aussi, du coup. Ah ouais, mais hey, il est passé quand même la voiture. Oh là là, il est passé partout. Ouais, c'est pas si piéton que ça en fait, on peut passer. C'est un piéton qu'on peut passer. Il a passé la borne, le gars. Ah. Ouais, donc ça, c'est le fameux trottoir que je dis que j'ai jamais été. Bon, après, j'ai pas vécu si longtemps que ça à Amiens. Les bâtiments sont jolis, ça va encore sortir le jaune, ça. Planète forme. Ah, ça, par contre, j'avais un copain qui y allait à ce truc-là. Enfin, un copain. Un collègue. Après, planète forme, planète vape. Planète pognon. Planète immo. C'est le coin des planètes. Planète mangeaille. Ok. Oh, dis donc, c'est sacrément rupin, dis donc. Ouais, ça doit être cool d'habiter là. Et avec vue sur le parc en plus. Bon, ici ça a l'air plat. C'est honteux. C'est peut-être pas une voiture dans la rue piétonne, faudrait voir. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se voir. S'il y a une vitrine, on peut se voir. Alors, est-ce qu'il y a des vitrines? Ah, dans celle-là. Ah, on n'est pas en face. Ah, brin. Attends, on va avancer tout doucettement. Tout doucement. On voit pas bien. Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent passer à vélo. Des fois, ils passent à vélo les... Alors attends, dans planète... Est-ce qu'il est passé là? Ah, à chaque fois... On voit pas le reflet. Je comprends pas, dans les téléfilms, ils voient toujours tout. C'est super bien. Nous, on le voit jamais. C'est pas juste. Bon, après, les gens le regardent, hein. Donc, bon, après, le VTT, le vélo avec les caméras au-dessus, tu dois le repérer. Hein. Tu dois le repérer facilement. Hop. Ah, vu, j'ai parlé. Ils sont partis, mais j'étais plus là. Ok. Bah, salut, les gars. Et merci. Donc, ça veut dire que. Ici, on a peut-être intérêt à avoir
un parc plat. Et donc à avoir. Ça fera un 2 de décalage. Ça me paraît beaucoup de. Et pour qu'on ait des escaliers et que de là à là-bas, ça soit plat. Mais on n'est peut-être pas obligé. Les escaliers, ils m'ont pas l'air aussi furieux que ça. Hein. Regardons les dénivelés. De ce côté-là, je suis à 33. De ce côté-là, je suis à 33. Oh, brin. Oh, j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça du tout, hein, les gars. Non, me faites 33. 33. 34. Oh, 34. 34. 34. 34. Oh non, puis au milieu là, 34. Ici, 33. 33. Mais comment voulez-vous qu'il y ait un escalier si tout est à la même hauteur? À l'intérieur d'une galerie marchande, t'as déjà vu un piéton Google Car? Ah oui, c'est vrai qu'ils vont dans les galeries marchandes des fois, ouais. Dans les grandes galeries quand c'est des rues. Et je crois que l'on voit le gars, c'est à Carcassonne. Où c'est un type à pied. Et on le voit dans une vitre, je crois, ouais. J'aime bien la notion de piéton Google Car. Eh ben, c'est un Google piéton. Voilà. Parce que Google Car, car c'est voiture. Donc c'est la voiture de Google. Là, c'est le piéton de Google, donc c'est Google piéton. Alors, comment qu'on va faire? Parce que le problème, c'est qu'il nous dit que c'est la même hauteur entre ici et là-bas. Ah! Alors que moi, déjà là, j'ai 2 mètres. 1 mètre, 2 mètres. Et ici encore un autre. Mais bon, là, on peut s'arranger pour que la coupure aille d'ici à ici. Line. Du coup, on peut faire un filou là. J'espère que je vais pas avoir de problème parce que ça va pas marcher. Oh, j'ai une barre. Ça va être chaud, hein. Avec ma queue de brin, ça va être chaud. J'ai bien 33 dans le parc, je suis à voilà, je suis bien à 33 là, 33, 34. Alors, j'ai l'impression qu'il y a juste 1 mètre en fait. Entre là et là, ça fait 1 mètre. Hein. Ce serait délicat de dire qu'il y a 2 mètres. Hein. Alors, là, il y a re des escaliers.
Après, on est dans Minecraft, hein. D'autant que si on garde la notion ici, le truc il est à peu près au milieu. Alors faudrait voir après pour découper tout le bazar. Le truc il est au milieu. Si on met un escalier en dalle. Ouais, je pense que 1 heure, 1 mètre c'est grand max, mais si on fait un truc sur donc on part. Donc là on est déjà sur 1 mètre. Ouais. Après si on fait sur du 2 mètres, on part vraiment loin quoi. D'autant que là on est là. Donc si on veut le parc. Ouais non, ici on serait sur du 1 mètre. Et donc après le parc, soit ici on reste sur du 1 mètre pour avoir les mêmes escaliers. Ça fait juste faire d'ici à là-bas quoi. Ma commande. Ok. Ça ne sent pas très très bon. Et gros nuages gris partout. Plus de co. Salut à Joachim. Bon bah si ça marche pas, soit on fait du solo. Parce que d'un autre côté le. En fait c'est le problème, c'est j'ai une co. Qui me permet de liver, j'ai que 447 images perdues en 26 minutes de live. Mais si j'ai pas accès au serveur, je peux liver, mais je peux pas jouer en serveur. C'est pas facile d'avoir le style. Ouais, on pourrait faire un truc dans ce style-là. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Et donc le parc serait coupé en deux. On va tout faire droit en fait, hein. On va faire les dénivelés droits. Au moins sur les routes. Après dans le parc, on en fera un en traviole, puisque du coup celui-là. Je le fais grossièrement. J'en profite que j'ai de la co. Attention les petits cochons. Alors, c'est la poule. Attention la poule. Pouf. Fil. 2. 120. Pouf. Oh, oh, elle a mouru la poule. Bon, puis là, on fera pareil. Jusqu'ici. Je le fais grossièrement là. Oh non! Non, pas ça! Pas ça, pas ça! Ah, malheureux! Ah! Surtout en 120! Ah! Et puis là, on fera la coupure. Je sais pas où.
Ouais, puisque Twitch, il peut y avoir, il doit gérer les latences. Tout à fait. Alors qu'un serveur, pop, il t'éjecte. Ça fait trop longtemps que t'as pas répondu, hop, il t'éjecte. Hop. Bon, et ça, là, au niveau des rues, ça sent droit. Alors, on va couper la pierre en deux. C'est, on va garder celui-là. Et ça. Va l'avancer comme ça. Et donc l'autre, on va le reculer. Hop. Et donc ça, bah on l'enlève. Salut J1. Bah Aline, elle est pas là. Du coup, tu lui as fait peur. Elle s'est dit, ah, je vais être obligé de faire tout le boulot. Je vais pas venir. Ah bah bravo, hein, J1. Comme ça, je suis tout seul. Alors, ici c'est du tout droit. On dirait du 4, mais non, 3. Qu'est-ce que ça fait si on fait du 3? 3, 3. Attends, je vais prendre une autre couleur là. 3, 3, 3. Et si on fait du 3 ici, après on est ici. Ouais, bon, on va faire du 3, ça va être sympa. Voilà, comme ça on a un truc régulier tout en 3. 3, 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 3. Ok, d'accord. Donc là, ici, on est tout droit, impeccable. Donc ici, ben on va le mettre droit. Oh, j'ai entendu le coup de tonnerre. Ouais, j'ai entendu la chienne. J'ai fermé la porte, mais la chienne, elle est contre. Elle doit être arc-boutée contre ma porte. Je vais regarder sur Discord si j'ai un message. Non, a priori, j'ai pas de message, donc. Tac, tac. Lynn devait être là, mais. C'est un petit souci, hein. C'est pas rien de grave. Hein. Donc là, on va le reculer d'un mètre. Au pire, on récupère ici, hein. Ah, ce n'est plus Amiens qu'on fait ces trois. Ah, là, on aurait présent. Moi, je. 3, je le prononce 3, yes. Parce que je suis pour qu'on dise toutes les lettres. Non aux lettres muettes. Je vais créer une association de lutte contre la lettre muette. Donnons vie à cette pauvre petite lettre muette. Donc ici, ouais, on fait un truc dans ce style-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est pour faire mentir J1, ça. Non, on prend pas de liberté avec le traviole. On s'adapte. Là, pareil. Je serais tenté de dire pareil. Après, pour un truc. Mais bon. Ça fait tellement plaisir de faire du droit après autant de traviole. Donc ce n'est plus Amiens ce qu'on fait, mais 3 yes. 3 yes. Ouais. Non, c'est Amiens. Qu'est-ce que tu me fais dire? Qu'est-ce que tu me fais dire là? Petit voyou. Là, il est bizarre le truc. Mais bon, on verra quand on y sera. Bon, ben impeccable, on a tout fait de carré. Là-bas. Bon, là-bas, c'est de traviole. Mais c'est régulier. C'est du 2, 1, 2, 2. 2, 1, 2, 2, 2. Ah! Il y a une faute là. 2, 1, 2, 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1.
2-1. 2-2. 2-1. Oh là, ça va pas là. Là, ça devrait être du 2-2. 2-2, 2-1. 2-1. 2-2. Bon, après, ça part en cacahuète là. Après, ça part en cacahuète. Ça part en vrille. Bon, ici, elle est particulièrement bizarre aussi. Hein. Y a rien de drôle là. Bon, on va en baver là. Alors, on va tracer les trottoirs. Ah oui, attends, non, non, on va galérer là. Il n'y a plus de trottoir. Ah brin, il n'y a plus de trottoir. Bon. On va considérer. Nonobstant le fait que il n'y a plus de rue en fait. On va considérer cette largeur là comme étant. On est à... Allez, on est à 15 mètres. Donc ici, on a 15 mètres de rue piétonne. C'est quoi le revêtement? Pierre taillée? Par contre, avec juste un mètre, on va en baver pour faire ça. Alors, ça, c'est ici. Ça veut dire que ça, on a 15 mètres. Si je fais du 98 et que... Ah bah, je l'avais sélectionné. Je fais un stack vers le sud. Donc, de 15 mètres, donc 14. Hop. Donc j'ai cette largeur là. Vers l'est. J'aurais pu faire un de plus. Si on le descend, mais on verra comment sont les boutiques. On verra comment sont les boutiques. Ouais, parce que là. Faire la même chose que dans la rue des trois cailloux. Ça c'est pas obligé hein. Qu'est-ce qu'on avait fait dans la rue des trois cailloux? Je crois qu'il y avait du bicolore. Ah bah c'était ah oui parce qu'il y avait ah oui je me souviens maintenant parce que là il y avait des gros pavés et là il y a des petits pavés. Ouais donc au milieu éventuellement on mettra une bande de petits pavés. Ouais alors si on arrive à déterminer les épaisseurs effectives. Donc j'ai dit 15 mètres. Là on dit qu'on a... On a 3 mètres. Plus 5 mètres. Donc là on a au moins 5... 7 mètres. 3 plus 5 plus 7. Ça voudrait dire que les petits pavés... Petits pavés. Petits pavés. Venez voir papa. Donc ici j'ai du 3. Ein. Non, pas du 3. Non, non, pas la ville. Et là j'ai du 5. Stack. Stack 21.
Oula, non, 22, 23. Stack 23. Hop. Oula, il y a plus que 23 à mon avis. À mon avis, il y a 42. Ah, pas loin. Eh, pas loin du tout, ouais. Il y avait 45. Hop. Alors, de l'autre côté, on va jusqu'où? Ah. Moi, j'attends de voir quand tu auras du 7. C'est joli, il paraît. Mais j'ai déjà dû y aller. Ou alors je suis passé de nuit. Bon, là, ça s'écarte. Ouais. Là, c'est subtil. Il y a un écartement. Il y a un écartement. Ça rejoint un peu le milieu du truc là. À partir de quand? À partir de quand ça s'écarte? Moi je dis à partir de là. Donc ça veut dire que de là jusqu'à donc 46 mètres de la rue ça s'écarte. Et on vise. Alors attends. On va déjà mesurer 46. Ça fait. À partir de là, ça s'écarte. Oh vache. Et on vise ce truc là. Oh vache. Donc ça irait jusque là. Je ferais bien la descente en fait. Péremptoire à cette ligne là. Ça faudra l'enfoncer. Le truc qui s'arrête. Ah bah il s'arrête, il va jusqu'au bout en fait. Il s'arrête pile là. Salut Velzwizilo. Salut à toi.
Pop, pop, pop. Ou alors ici on s'embête pas et on le fait droit. Tiens, fais ça là. Ici on s'amuse aussi, on s'amuse pas, on le fait droit aussi. Ça fallait que j'enlève, hein, c'était pour mon calcul. Hop. Ça va, ça va, ça va. Par contre, j'ai quoi du 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et là, je finis avec du 4. Baline n'est pas là, alors on ne s'embête pas. Bah ouais. 2, 3, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ça roule. Stack de combien? 18. Ah non, il y a un peu plus. 19, 20, 21, 22, 23. Un petit peu plus. Sachant que nous, après, on ira jusqu'au bout. Et là, tout ça, ça sera du 98. Donc ça, je peux l'enfoncer. Ça c'est plus pénible, autant le faire à la main. De 3, ce sont des Troyennes et des Troyens alors. La guerre de 3 n'aura pas lieu. Oula, j'ai que du 3 là. Alors, Velswim me demande ce que je fais. Eh bien, nous reconstituons la ville d'Amiens. On fait toute une ville dans Minecraft. On s'amuse comme des petits fous. Bon, il pleut. J'espère que c'est pas de la grêle. Je vais voir. Hop, bon, ça pleut fort, mais c'est pas de la grêle. Bof, ok. Oula, oh, c'est pas bon signe ça. Oh, c'est pas bon signe. Oh, c'est pas bon signe du tout. Pop, 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 pop. Ah, des petites images perdues en plus. Ah bah ouais, cool.
Ah, c'est revenu. C'est revenu, mais moi je pense que je vais me faire déconnecter là. Bon, je pourrais. Voilà, ça y est. Oh là, c'est pas gagné du tout. C'est en train de partir en vrille. Bon, moi je pense qu'il doit y avoir un gros orage sur l'antenne. J'ai dit que ça partait en vrille. La Vrille est une rivière française des départements Nièvre et Yonne dans la région Bourgogne-Franche-Comté et un affluent droit de la Loire. Tic tac. Donc quand tu fais pipi dedans, bah ça passe Céline. Enfin, si la Loire passe à Angers. Bon, je crois que c'est un peu cuit, hein. J'ai la coupe qui part en cacahuète. Je n'ai marre. Quand est-ce qu'elle vient, la canicule? Parce que le gouvernement il passe son temps à nous mentir, mais bon, j'ai plus de connexion, hein. Donc je crois qu'on va arrêter là. Si ça revient, on relancera le truc. Là, c'est encore les live diapo. Ça marche plus, ça marche, ça marche plus. Le serveur, c'est bon, j'arrive plus du tout à le voir, à me connecter. Bon, pire, on pourrait jouer à RimWorld. Mais si j'ai même pas de co, une co qui est stable. Oh.
Non, ça retombe tout le temps. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai la queue en cacahuète. Tu connais pas l'expression ça part en cacahuète? Mais après, on pourrait faire du RimWorld, mais je vais passer encore à 25% d'images perdues. C'est pas du boulot, quoi. Ça m'énerve. Chez toi, je bouge bien. C'est même pas tunnelisé parce que là, c'est je bouge à peine. Hein. Donc, non, mais je vois le voyant de OBS. Il est plus souvent rouge que vert. Hein. Voilà, il vient de rebasser. Ouais, non, il est plus souvent rouge que vert. Hein. Je comprends même pas comment vous pouvez recevoir des images vu le nombre d'images perdues qu'il m'affiche. Hein. C'est reparti à zéro et ça revient, ça repart, ça revient. On va attendre que l'orage passe. Là ça pleut quasiment plus, c'est bien lumineux, donc je pense que les gros nuages sont partis, mais bon, il doit y avoir tellement d'électricité statique dans l'air que eh ben les ondes elles passent pas, hein. Bon, commencez chez vous. Est-ce que quand je bouge, est-ce que vous me voyez bien bouger? Ouais, bah là, par exemple, je suis dans le vert. Je vais le faire, je le referai quand ce sera dans le rouge. Bon, je pense qu'on va arrêter à mien, hein, de toute façon. Ah, ça y est, c'est dans le rouge. Est-ce que vous me voyez bien bouger les bras? Ouais, c'est reparti dans le rouge.